pas vous sauver là. Je suis là pour vous délivrer. Et vous délivrer de vous-même. La reine Amel, bonjour. Le roi Kurt, bonjour. Maurice m'a fait qu'on mangeait la nourriture le soir, non? Bon, j'espère que vous avez compris ma vidéo que j'ai faite ce matin. Donc, on va faire un peu de toli. J'aime beaucoup ma tenue. Ma tenue me plaît. Merci. Donc, on va faire de toli. Il faut qu'on fasse un peu de conversation. Je mets les coussins ainsi sur ma main. On your way to what? Je veux pas savoir là où tu peux arrêter. Bon, de quoi est-ce que je veux vous parler? De relations. Je veux parler de relations, ok? Angélique, comment envoyer te dit dans le rêve que quoi? Bonjour la reine Anne-Marie. Ok. Je demande l'assistance de vos ancêtres et des miens pour que ce que je vais dire soit reçu avec clarté. Au nom de Jésus, amen. Bon. Vous devez être assez délicate et délicat concernant vos relations. Vous m'écoutez depuis un certain temps. La première étape qui est nécessaire et que vous avez déjà peut-être traversée, c'est que vous avez arrêté beaucoup de relations. Donc bonjour à ceux qui viennent de tomber sur ma vidéo, c'est votre première fois. C'est la reine Jocelyne, ok? Mon but c'est de vous aider à prendre votre pouvoir. Je suis convaincue que vous n'êtes pas censé être pauvre. Moi non plus. Je suis convaincue que les dons qu'on a, même s'ils ont été bloqués, même si on a volé notre étoile, même si on a pris notre énergie, notre puissance, tout ça peut être restauré peu importe votre âge, vous pouvez être restauré. Merci, moi aussi j'aime beaucoup. Donc, si vous m'écoutez depuis un moment, vous avez déjà commencé à couper vos décepticons, famille ticon, oncle ticon, tante ticon, patron ticon, boulot ticon, vos boulots qui vous suçaient votre énergie, là, vous avez arrêté.
Et quand vous avez commencé à couper, même vos ex-ticons, est-ce que vous savez qu'il y a des ex qui viennent souvent te parler encore? Ils checkent tes statuts là. Tout ex doit être bloqué. Ils checkent tes statuts de temps en temps, ils font un peu les. Waouh! Tu es belle, hein? Et tu t'es rendu compte que la semaine où tu enlèves tout le monde, tu arrêtes, tu te focalises, tu vois comment ton argent augmente. Quelqu'un a témoigné hier, non? Elle disait que elle me suit depuis en 3 mois ou en 1 mois, 2 mois, je sais pas. Elle a acheté un terrain et elle est sur le point d'acheter un deuxième. Ceux qui mettent en pratique ce que je vous dis depuis, ces personnes ont déjà des manifestations. Parce que la fessière, ces gens, je paye ma dîme aujourd'hui, je coupe mon ex-ticone, j'arrête ça avec des septicones, une semaine plus tard, mon chiffre d'affaires est multiplié par 5. Aïcha, tu prends l'avion, non, avec Jet, quoi là-haut, c'est Jet Sky. Tu viens au Cameroun. Je vous ai dit qu'on vous reçoit à la maison, non? Trois nuits sont suffisantes pour le traitement. Maintenant, vous allez commencer à avoir. C'est genre, tu coupes tout le monde au début, c'est facile. Ton propre corps va venir vouloir te jouer les tours. Parce que quand tu montes, après tu fais une pente. Oh, plateau, plateau. Je paie ma dîme, je fais mes déclarations, je fais le don, je fais tout. Je me lave avec le sel. Pourquoi mes choses n'avancent plus? Et vous aurez la tentation de vous dire, comme les enfants d'Israël, quand ça allait bien, après ils ont voulu rentrer en Égypte. Quand ça n'allait pas. Tu es même venu nous retirer d'Égypte là-bas, pourquoi? Tu nous as dit qu'on part dans la terre promise. Il y a le miel, il y a le lait. Nous voilà dans le désert depuis. C'est même quoi? On veut rentrer là-bas. Même si j'étais enchaîné là-bas, je mangeais. Je mangeais le porc avec l'ail. Garlic and ginger. Il mangeait ça avec le ginger. Il me tapait, mais après, il me faisait bien l'amour. Et il te tapait. Il t'empêchait de faire ton business. Il t'avait isolé de ta famille. Tu avais des pensées suicidaires quand tu étais avec lui. Quand tu disais que tu avais les dons, ou bien, pardon, qui t'avait tes trucs de dons là? Voilà, préparer le couscous là-bas, je mange. Non, personne ne me comprend comme lui. Personne. Personne. Tu es folle. Tu es folle. Tu es folle. Ta tête est dans ta tête. Il me manque. Je parle avec une cliente aujourd'hui, hop. Je lui dis que c'est parce que tu es à distance, c'est ce que tu fous. À un moment là, on se l'a insulté. Et il dit, get the grip of yourself. Mon mari, j'ai mon ex là, oui. Ok, ton ex a un tapé épousé, pourquoi? Voilà, il avait ses propres situations avec lesquelles il disait, il n'était pas encore prêt,
Il n'était pas encore. Il dit à la femme qu'avec tous les démons qu'il avait sur toi, si l'homme là a poussé, persévéré jusqu'à être épousé, tu crois que lui-même là, les démons n'en ont pas attaqué? Certaines parmi vous, ce n'est pas n'importe qui peut vous épouser. Il faut la force spirituelle. L'homme là vient, il persévère, il persévère. Il arrive au village, on lui dit que oh, donne la dot de ceci, il part, il donne, il fait tout. Tes oncles icônes là qui ne voulaient pas que tu te maries, essaie de le décourager. Il les envoie au champ. Après, ton faux ex là vient. Tu commences à te dire dans ton cœur, oh, il n'y a que mon ex qui me comprenait. Tu sais ce qui m'a fait penser à ça, l'histoire de Jada Pinkett et Will Smith. Écoutez, hein, tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux là, hein, le couple là est fort. Avant que Pak Tupac ne meure, l'esprit l'avait abandonné Jada. Elle n'était plus avec lui, non. C'est un couple que j'ai beaucoup observé. Ils m'ont beaucoup aidé. Elle a une émission qu'elle appelle Red Table. Je n'ai pas encore vu quelqu'un être aussi ouvert avec ses sentiments comme la femme là. Elle s'assoit, elle parle avec son mari que oui, j'étais trompée. Oui, j'ai eu. Elle appelait ça des attachements. Hein. Combien de personnes vous allez tromper, vous allez cacher? C'est facile de juger quelqu'un. Hein. Je vois le couple là comme ça, ils s'asseyent ensemble. Il demande, il dit que dis-moi comment tu t'es senti, dis-moi. Pourquoi tu es parti avec lui? Pourquoi? N'est-ce pas Pac l'avait laissé? Qui était à ses côtés durant toutes ces années? C'est Will Smith, non? Même si on dit que Will Smith est faible, même si on dit n'importe quoi, ton faible, c'est ton faible. Mon ex, il était puissant. Mon ex, il n'y a que lui qui me maîtrisait. Tu es folle. Il t'a abandonné, pourquoi? Tu avais quelqu'un qui s'occupe de tes enfants. Il a récupéré tes 3 enfants. Là, il s'occupe de tes enfants. Tu n'as jamais senti comment il parle mal à l'enfant. Il n'a jamais dit que wow, les enfants m'ont eu trop de lait dans la maison aussi. Tes enfants font trop ceci. Non, il s'occupe de tes enfants. Il met le cœur, les poumons. Certains d'entre vous, il vous a rencontré. Vous étiez malade. Vous étiez séropositif. C'est-à-dire, il arrive dans ta vie comme ça, tu dis que oh, j'ai fait tellement d'avortements, je ne peux même pas avoir les enfants. Il dit, maman, je te prends comme tu es. Que ton ex t'avait fait avorter 50 fois. Voilà que tu te sens mieux, tu penses à ton ex. Odette, je crois qu'on avait pris ton intelligence. Hein. Tes asticots qui sortaient de tes cheveux là. Donc tes idées sont en train d'être restaurées. Venez me trouver qu'elle parle. Il s'occupe de toi. Il t'aime. Parce que beaucoup d'entre vous, les démons qui sont dans vos corps là, hein, ça fait toi-même tu gâtes tes choses. Dites Amen. Les gâteuses là, dites que Amen. Écrivez là-bas que Amen. Que toi-même tu connais, que tu es belle comme ça là, mais tu gâtes tes choses, tu gâtes tes propres choses. Tu te spoil là. C'est le truc qui est dans ton ventre là qui fait ça. Tu es bien dans une relation comme ça, tu te lèves un matin. Ah, moi, il ne peut même plus. Tu gâtes tout. Tu gâtes. Ta bouche. On vous appelle cocotte minute, comme notre m'a dit ce matin, qu'on lui a dit qu'elle est la cocotte minute. Le gars se lève et regarde ses choses elle-même. Écoutez, c'est l'esprit là. Je vais vous délivrer de ça aujourd'hui. Je vais vous délivrer de ça aujourd'hui. C'est l'autre là qui va sortir de ton corps.
construis ta vie. Tu viens encore gâter toi-même. Tu sais que l'homme là, il est quelqu'un de bien. Ton faux être là, il arrive dans ta vie. Il prend même d'abord ton argent. Et tu cours toujours pour lui donner. En donnant, tu dis, ah, c'est l'amour, non? C'est l'amour, non? Ouais, je l'aime. Il prend l'argent, il te parle mal. Il te traite mal. Il te jette. Il ne demande pas, tu vas bien? Tes enfants ont bien mangé? 3 mois plus tard, hop, voilà l'autre qui est avec toi tous les jours. Il voit que tu as des difficultés pour ta comptabilité. Il te prend, il te montre comment gérer ton argent. Il te montre comment demander le crédit à la banque. Il te montre comment faire telle chose. Il te montre. Tu voyages, il fait ton sac pour le voyage. Tu es malade, il est au chevet de ton dia à l'hôpital. Le démon qu'on a mis en vous qui fait que vous gâtez vos propres mariages là. Il go comment today? Ha. Tu as les manques dans toi pour aller vers les mauvaises personnes. Vous savez comment parle moi mes choses comme ça là. Ça sort comme ça sort. Et ça guérit comme ça guérit. Te réveilles la nuit à 2 heures, tu veux l'appeler. Tu veux l'appeler quoi? Tu appelles quoi celui? Je vous ai dit hier dans le direct que ça ne va pas. Tu prends ton cœur. Tu attaches ton cœur sur la chaise. Tu mets les menottes sur ça. Tu mets le bandeau dans sa bouche comme ça. Tu scotches la bouche de ton cœur. Tu ne lui donnes pas la nourriture. Tu le laisses là-bas une semaine. Le kit fondation coûte 50 000 francs au Cameroun. Si on vous envoie par DHL, vous allez payer les frais de DHL, c'est peut-être 18 000 ou 20 000. Tu laisses le cœur là dans la chambre là-bas une semaine, tu ne donnes pas l'eau, la nourriture, rien. Tu reviens que cœur, tu t'es remis en place. Si j'enlève le bandeau là, tu vas te comporter. Il dit oui, oui. Il dit d'accord, tu enlèves le scotch. Dès que tu enlèves le scotch, il dit appelle-le, appelle-le. Tu dis que cœur, je t'ai dit quoi? Tu remets le scotch. Tu le laisses là-bas un mois. Quand tu reviens, tu dis cœur, tu connais maintenant c'est quoi ton rôle? Il dit oui. Tu dis répète. Il dit mon cœur, mon rôle c'est de pomper le sang. Mon rôle c'est de pomper le sang. Mon rôle c'est de pomper le sang seulement. Tu as compris ton rôle cœur? Il dit oui. Tu le prends maintenant, tu ouvres, tu mets ici dedans. Tu fermes. Il pompe juste le sang. Il ne te guide sur rien, il ne te dirige pas. Une relation émotionnellement abusive n'est pas saine. Quelqu'un qui est content seulement quand tu fais quelque chose pour lui. Quand toi, tu es dans le besoin, il n'est pas là. Comptez combien de vos gars là, combien de vos ex là. Oh bah, je vais chercher un nounou qui est comme le cœur. Je vais vous montrer une démonstration. Quand il parle mes choses. Aïe. Et ça ne va pas, on le tue. On va chercher l'autre. On fait des transplantations, non? Je vais vous transplanter. Les bains de sel là vont vous donner les bonnes choses, laissez. Tu as vu deux hommes sortir de toi. Mm-hmm. Après le chat noir sorti de ta chambre. Parfois tu es sur ça là, tu es bien. Hein. Tu es bien. Une idée vient seulement dans ta tête comme ça. Pouf! Tu dis que, ok. Subitement tu commences à penser à lui. Ou bien une chanson qui vient à la télé là. Monsieur le cœur, tu n'avais pas encore dressé le cœur là. Hein. Tu n'avais pas encore dressé. Appelle-le, dis-lui que je pense à toi. Que tu es fou. Que tu es fou.
Oui, je vais chercher le nounous, le cœur nounous, oui. Parce que pour avancer et contrôler l'argent que vous allez contrôler là, beaucoup d'argent arrive vers vous. Et qui dit argent dit business. C'est que quand tu vas recevoir l'argent, quelqu'un va venir te faire le chantage, il va porter ton argent, partir avec. C'est toi-même qui vas signer pour le donner. Que prends, tu sais que je t'ai aimé, non? Bête comme ça, là, tu vas porter ton argent donné. Croyez les actes des gens, pas leurs paroles. Ne croyez même pas vos propres émotions. Tu le ligotes. Tu le laisses là-bas dans la chambre. Tu dis que tu connais à quoi tu sers. Il dit, je suis là pour pomper le sang seulement. Reine Jocelyne, je pompe seulement le sang. Tu dis, d'accord. Tu as le droit de revenir dans mon cœur, dans ma poitrine. Quand ils vont voir, votre argent va commencer à entrer. Parce que les femmes qui sont riches ou les hommes qui sont riches, vous attirez beaucoup les gens, hein? Donc Dieu doit s'assurer que ton cœur est sous contrôle avant de te donner beaucoup d'argent. Tu vas avoir ton argent, quelqu'un va venir te parler. Parce que tu es venu une nuit, tu m'as fait l'amour une nuit, la porte te donne. Même votre partie sexuelle, là, vous devez aussi. J'ai fait. Attendez. Bonsoir, Christine. On va représenter le cœur. On va représenter la partie sexuelle. Vous prenez les deux là, vous les déposez. Tu dois maîtriser ton cœur et ton sexe. C'est parce que tu m'as fait quel genre d'amour? C'est quel genre d'amour que tu as fait? Hein? C'est quel genre? Oh, wonderful. Même l'auberge, je n'arrivais pas à payer. C'est moi qui paye. Mais je m'en fais l'amour. Je l'aime. Je l'aime. Vous n'allez plus aimer les fous. Les novellas vous ont trompé. Je suis amoureuse de toi. Oh, Sergio. Catalina. Gna, gna, gna. Moi, j'aime les films où la femme se lève du lit comme ça. Vous venez coucher en zamette et tu piouf. C'est pas parce que tu es venu me faire l'amour là que tu vas croire que. Il va, ne battez pas sur vos partenaires. Aimer était mort, non? Oui. Aimer était mort. Si tu m'aimes, bats-toi. Bats-toi. Je comprends maintenant. Vous savez, à l'église, on doit expliquer aux gens pourquoi on leur dit de ne pas faire l'amour avant de se marier. Quand c'est le bon plantain qui fait le travail, tu n'as que le plantain offrir. On vend le plantain au marché, monsieur. Voilà, on met les organes en mode avion. J'aime bien ça. Oh. MC Toucan. Tu as besoin d'un homme ou d'une femme qui va être lucide. Supposons, parce que quand l'argent va entrer, je vous éduque. Quand l'argent va commencer à entrer et que tu vas te déplacer en voyage à faire une semaine, 2 semaines, si tu as un homme qui ne peut pas maîtriser son truc,
Ah, tu sais, j'ai couché avec la ménagère parce que tu sais. Parce que tu. Bébé, comprends-moi aussi, non? Tu sais, la petite fille, elle s'occupe bien de moi. Elle m'a apporté à manger 2 jours, 3 jours. Bon, voilà. Hein? Et toi-même, la femme aussi. Parce que les femmes, quand une femme veut tromper un homme, elle peut te choper pour ça. Ni vu, ni connu, sans trace. Maintenant, les choisis, je veux que vous puissiez comprendre. Les choisis, ce n'est même pas un problème. Quand on dit sexe, parce que quand tu rencontres un homme, si tu es choisi, tu connais là où tu pars. La première chose qui va t'importer chez lui, ce n'est pas de faire l'amour. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui. Il a une autre femme dehors qu'il fait bien l'amour avec elle. Mais il ne peut pas quitter sa femme. Parce qu'il sait que sa femme, c'est son pilier. Pour gérer ses affaires, business meeting, il envoie sa femme. Quand il faut le conseiller, c'est sa femme qui le conseille. Quand il faut le calmer, c'est sa femme qui le calme. La petite de dehors, qu'est-ce qu'elle a offert? Bébé, mange. Bébé, viens, on fait l'amour. Elle fait ça là. C'est tout. Et quand tu as une femme qui sait là où elle part, tu dois être avec un homme qui est discipliné et qui sait là où il va. Le contrôle est d'abord dans la tête. C'est mental. C'est mental. Vous devez arrêter de suivre les hommes qui vous déstabilisent émotionnellement. Oh, j'ai écrit, il ne m'a pas répondu. 5 jours plus tard, il ne m'a pas répondu. Ah, ouais, pourquoi il me fait ça? Ma chérie, tu veux souffrir. Tu veux souffrir. S'il faut que tu casses ton téléphone, casse le téléphone là. Ah. Vous ne connaissez pas vous faire violence. Tu te lèves en sueur, c'est là que appelle-le, appelle-le. Écoute, ma chérie, on ne t'a pas encore bien piqué. Le serpent n'a pas bien piqué. Il t'a pas bien, le venin n'était pas bien entré dans ton corps. C'est que tu le considères. Parce que souvent, c'est comme si le cœur là efface ta mémoire. Que ma chérie, rappelle-toi, il t'a dit depuis 5 fois qu'il venait pour toquer la porte chez vous. Il n'est jamais venu. Tu allais appeler votre père de famille pour dire, oh, mon fiancé, mon copain arrive. Même appeler le jour-là pour dire que, excusez-moi, je ne peux pas venir. Il n'a pas appelé. Oh. On honore ceux qui nous honorent. On respecte. Le respect ne se demande pas. Ça se mérite. Merci le roi, tu es nous. Il y a les hommes de parole ici dehors. Hein. Je vous dis, mesdames, quand vous allez commencer à m'écouter, faire ce que je dis, vous allez voir que vous n'aurez plus besoin de mentir. Même à vos clients, vous n'aurez plus besoin de mentir. Les clients vont venir à vous sincèrement. Sincèrement, tu n'as plus besoin de. Tu fais tes choses dans la droiture. Et quand tu tombes sur un homme là, que vraiment, le premier jour, vous vous regardez comme ça, la cache. Tu veux quoi? Parce que lui-même déjà connaît ce qu'il veut. Moi, mon mari, quand je l'ai rencontré, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il a fait. Il ne s'est jamais tourné pour dire. Bon, tu sais, on peut un peu. Non! Je ne croyais même plus. J'avais vu les Decepticons dans ma vie. Les Decepticons. Des gens qui n'étaient juste pas prêts, c'est tout. Ils n'étaient pas prêts dans leur propre vie pour avancer.
Il est censé me dire, je vais faire telle chose. Le jour là, il n'a pas fait. Je dis que yoï. Tu vois, quand tu rencontres l'homme, tu le forces. Tu le forces pour qu'il parte. Wow, montre-moi même ta soeur, non. Présente-moi même ton chat, non. Ouais, même ton chien. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Tu ne connais pas son chien. Ouais. Vous pensez que les hommes ne connaissent pas? L'homme connaît que quand il rencontre sa femme et qu'il veut vraiment la femme là, il va s'engager, il connaît. Premier jour que vous vous rencontrez, on ne tourne pas autour du pot. Hein? Moi, je change Poupi là. Tu me plais, je te plais, on fait comment? Ça ne veut pas dire qu'on va coucher, hein? Je voudrais qu'on se connaisse un peu. Tu t'assois. Vous vous asseyez tous les deux. Quand tu as commencé toi-même, la femme ou l'homme, à te enlever les photos autour de toi, quand tu rencontres quelqu'un qui sait ce que la personne veut, dans les premières minutes, tu connais. Tu connais. On n'accuse même pas l'autre. C'est d'abord vous-même. Et si tu es dans une situation où tu es ridicule, ma chérie, plie tes bagages. Vous ne connaissez pas fermer les pages. Je peux fermer la page avec toi le matin à 7h. À 14h, j'ouvre l'autre page. La décision. Ce n'est pas le temps qui guérit. Guéris-toi toi-même d'abord. C'est ce que tu veux. Que quand la femme te trouve que tu es en train de faire ta chose, tu as commencé à construire ton empire. Oh wow, il sait déjà ce qu'il fait. Wow, il est en train de... Wow. Première semaine, vous parlez. Oui, moi, je veux me marier. Quand vous êtes déjà, quand tu te prépares déjà, hein, quand tu rencontres la personne, vous n'avez plus attendre 5 ans avant de vous marier. La décision est évidente. Hein. Si on te dit que, si tu appelles encore l'homme là, je sais, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, supposons que je prends un verre d'eau. On te dit, l'homme avec qui tu es là, il te donne du cyanure chaque jour que tu parles avec lui. Si tu prends le téléphone, tu parles avec lui. Ça va mettre une goutte de cyanure dans le verre aussi. Il ne faut pas être folle pour aller prendre le cyanure, mettre dans l'eau et boire. Tu vas te tuer, non? C'est parce que vous n'êtes pas décisif. Tu as quitté quelqu'un le matin, le soir, il te trouve que tu... Tes amis demandent même que mamie, dont tu nous trompais que tu sortais avec le gars-ci. Non, j'ai seulement décidé que j'arrêtais. Pas le genre que tu l'avais acquitté même cette fois. Ta famille connaissait déjà. La semaine, si c'est comment? Tu avais lui la semaine, si ou pas? Vous êtes ensemble? Ah non, on est ensemble, 2 semaines plus tard. Moi, je suis plus avec lui. Je suis plus avec Junior. Ah, c'est fini. Hein? Hein? 3 jours plus tard. Junior, oui. Oh, oui. Oui.
Jésus dit que qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Votre seul problème, c'est l'indécision. Quand quelqu'un va changer, il change point à la ligne. Tu arrêtes, tu lances ton business. Le cœur a quelle raison? Donc le cœur s'est commandé. Non, dites-moi. Donc le cœur te commande. Le cœur a les raisons que les raisons ignorent. Mouf. Qu'est-ce que tu as vu ça? Cœur a les raisons. Cœur a les raisons. Il y a les dictons que je n'aime même pas qu'on me dise. Ça m'énerve jusqu'à. Celui qui me dit, c'est pour le gifler. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Un vrai leader de sa propre vie, c'est quelqu'un qui peut dire, j'arrête ça. Il arrête. Et en prenant tes propres décisions, la décision vient avec la puissance. Ou bien c'est la puissance qui entraîne la décision. Quand il vous demande de vous laver au sel et tout ça, là, faites ton travail spirituel. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes attachés, vous êtes dans les liens d'âme. You are entangled with the person. Il y a le kit fondation dont je vous parle tous les jours. Le kit fondation, ça te coupe les choses là. Certains d'entre vous, vos mères étaient comme ça. Ta mère n'était pas stable dans un foyer. Je vous ai dit qu'avant de prendre le kit fondation, vous devez observer. Observez autour de vous d'abord. Mon père était comment? Ma mère était comment? Oui, Yannick. Tu prends la décision, après ton nom, tu back up encore. Moi, quand je prends mes décisions, ça passe ou ça passe. Jusqu'à quand je vais investir, je me lève et dis qu'on fait ça, c'est fini. Même si ça rame devant, je développe la capacité à prendre des décisions rapidement. Et arrêter de choisir les gens à cause de leur argent. Parce qu'il y en a parmi vous, quand je vous parle de mission de vie, le degré d'argent dans lequel je suis en vous amener là, c'est un argent qui a une mission de vie sur ça. Alors beaucoup de femmes, oh, je veux l'homme qui va me donner l'argent. Non, ma chérie. Toi-même, tu seras l'argent. Tu es déjà l'argent. Et ça vient avec des principes. Il y a des moments quand je commençais à faire ci, je suis resté un jour comme ça là. Quand vous dites toujours que je suis pas, j'avais arrêté, je nettoie les blancs là-bas en bain. Boubaka, tu es mon neveu ou tu es ma nièce? Et ouais. Je nettoyais les gens, non? Une nuit, je suis arrivé là-bas. Ils m'ont mis dans un département où on me griffait, il y avait des schizophrènes là-bas. Merci. La nuit là, j'ai réfléchi là, j'ai dit que j'arrête. Le matin à 8h, je rentre chez moi. Je ne suis plus jamais reparti là-bas. Vous avez planifié depuis 5 ans d'arrêter certaines choses que vous n'avez pas encore arrêtées jusqu'aujourd'hui.
La période qui a suivi ça, maman Longue me met un peu touché. Je regarde son sein, j'ai même arrêté le boulot là, pourquoi? Et j'avais décidé, j'avais arrêté, je faisais les croquettes, ça me donnait l'argent. Je coiffais, ça me donnait l'argent. Mais j'avais décidé que je me lance dans le coaching. Maman, les jours, les mois qui ont suivi, il y a des moments de ce salaire, je voulais chercher n'importe quel boulot, n'importe où. Pardon, il veut travailler, c'est quoi? Parce que quand tu développes la capacité de prendre une décision, tu avances. Il y a des moments où ton corps va venir te dire, ah, quand même un peu. Non, quand même un peu, non. Tu as quitté quelqu'un. Les semaines après que tu le quittes, ne t'inquiète pas, ton corps va te jouer les tours. C'est comme quand quelqu'un, on veut te désintoxiquer, ou c'est quoi la désintoxication. On te met dans un centre fermé parce qu'on connaît que quand ça va taper dans ton corps là, oh, tu vas vider ton compte, chercher la vie à la drogue. Que donnez-moi ça, donnez-moi. Dès que tu mets sur toi, on sera. Ah. Ouais, vous avez encore couché ensemble. Ça faisait 3 mois que tu l'avais quitté. Tu es encore tombé. La période de désintoxication est. Tu ne peux pas contourner. Tu vas passer par là. Tu vas passer par là. Tu dois apprendre à maîtriser ton corps. Quand tu dis je ne fais pas ça, et tu ne fais pas. Donc, tu étais comme ça, tu décides de quitter la personne. Et tu dois avoir des raisons fortes. Pourquoi je décide de quitter cette personne? Premièrement, je mérite mieux. Deuxièmement, je sais là où je vais. Troisièmement, je ne suis peut-être pas parfait, mais je sais que la personne que je suis en train de devenir ne peut rester dans cette relation. Raison pour laquelle je mets ma vision devant. Parce que c'est tes propres pensées qui vont venir t'attaquer tout après. Tes propres pensées. Ouais, rappelle-toi, tu te rappelles? Rappelle-toi quand il t'avait offert le tour au clair de la lune. Non, baby. Baby. Il t'avait offert quelque chose de 50 000. Parce qu'il allait te demander de lui donner, de lui prêter 1 million après. Ne te rappelle pas seulement du resto qui t'avait payé à 50 000. Parfois, on a les amnésies sélectives. Elle est venue chez toi, elle a préparé 2-3 semaines. Parce qu'elle savait qu'elle va te dire, wow, bébé, achète-moi la voiture. Chérie, je veux la brésilienne. Tu passes à côté de l'endroit où vous partiez, le restaurant où vous partiez souvent manger. Oh, notre resto préféré. Chaque fois qu'elle t'amenait là-bas ou il t'amenait là-bas, c'est parce que la personne là avait quelque chose à te demander après. Rappelle-toi. Parfois, la personne prenait même chez toi pour aller donner à sa vraie femme. Parfois, elle prenait chez toi pour aller dans son petit gars au quartier. Tu as oublié l'autre là. Rappelez-vous de tout. Rappelez-vous de tout.
Quand tu faisais tes trucs de développement personnel, tu as une vision. Je veux devenir coach. Je veux avoir des entreprises où les femmes vont venir. Je vais faire des séminaires. Les femmes vont créer leur business. Je vais faire ceci pour aider les gens à faire ça. Elle venait, chérie. Tu n'as même pas 3 millions là. Je dois faire tes choses avec. Il faut acheter la voiture de ma mère. La maison de ma mère est gâtée. Elle voit, tu stresses. Tes employés te dérangent. Elle ne peut pas venir avec une stratégie pour t'aider. Elle ne peut pas venir avec une stratégie pour t'aider. C'est l'argent qu'elle veut. Dès que tu donnes l'argent, elle disparaît pour 2 semaines. Jusqu'à, comme ça fait 6 mois, elle va te recontacter encore. Tu vas encore partir avec elle. Tu es bête. L'histoire que vous allez vous former dans la tête pour votre destination. Je suis la future millionnaire de notre famille. Je suis forte. Bientôt, j'aurai au moins 5 voitures dans le parking. Il aime porter les jeans tout le temps. Tu as acheté même l'habitude de dire, il ne porte pas. Il veut que les jeans. C'est ton standing, ma chérie. Ce qu'il faisait avec toi, il n'était pas présent pour toi. Voilà, il t'a laissé avec les enfants. Il appelle à peine. Chaque fois, c'est toi qui dois l'appeler pour dire, parle avec les enfants. Parle avec les enfants. Tu as oublié ça? Vous oubliez facilement, hein? Si la personne mourait, si la personne mourait, tu allais continuer à vivre, non? Tu écris, la personne voit, elle voit, elle ne répond pas. Je veux parler avec les enfants, elle ne te répond pas. C'est ça qu'elle te fait le chantage. J'ai besoin de 500 000. Donne-moi 500 000 avant de parler avec les enfants. Maintenant, tu connais là où tu vas. Tu te disciplines déjà, tu te laves le sel chaque jour. Tu as mis ton business plan sur pied. En un mois, ton chiffre d'affaires, tu as 2 fois plus d'argent qu'avant. Ta dîme d'avril, c'est là. C'est 2 fois plus la dîme de mars. Qui était 2 fois plus la dîme de février. Quelque chose en train de se passer dans ta vie. Un matin, tu vas te réveiller comme ça. Je suis même quel genre de femme. Vraiment, je suis même quel genre d'homme. Tous mes amis sont là mariés. Tes amis ne savent pas là où ils partent. Rappelle-toi. Tu es en train d'avancer, tu es en train d'aller quelque part. Souvent, tu écoutes les directs comme ça, là, tu te vois déjà avec 5 voitures dans ton parking. Écoutez, hein, vos ex là, bientôt vous aurez plus d'argent qu'eux. Tu vas dire que waouh, quand je pense qu'il y a de cela 1 an, pour moi, tu étais l'apogée. Quand il te parlait de mes projets qui vont donner 2 milliards, tu disais, ah, tu vas le traverser comme ça, là, tu vas avancer. Il va seulement te voir comme la fusée. Il va dire, mais je la connais déjà. Qui a bu boira? Je la connais. Je la connais déjà. Il suffit qu'elle l'appelle un peu là, je lui fais un peu. Il sait que tu aimes les fleurs, non? Il envoie les fleurs. Pourquoi il ne t'envoyait pas les fleurs là depuis? Pourquoi il ne t'envoyait pas les fleurs là depuis?
Avant, tu devais l'appeler même 2 semaines avant qu'elle trouve le temps pour te voir. Depuis, elle veut dire, oh, on se voit quand, on se voit quand. Même moi, elle n'a pas le temps. I'm busy. I'm busy. Mademoiselle Shop Mini, tous les dîmes que je reçois, je bénis, mamie. Parfois, il ne fait pas le message. Ça peut venir que je suis en réunion. Je bénis ta dîme au nom de Jésus. Je bénis. Je multiplie ta dîme là par 10 dans les 2 prochains mois. Voilà. Quand ça va se présenter, quand ça va se présenter, oui, tu n'es rien sans moi. C'est moi qui t'ai fabriqué. On voit un cliché, non? Quand ils vont revenir vers toi, tu dois faire comme ça, tu regardes. C'est d'ailleurs pour ça que tu dois continuer à t'occuper. You need to be busy. I don't have time, babe. I don't have time. Les pères et les mères de vos enfants là seront surpris. Que mince. Avant, quand elle lui écrivait, elle me répondait même vite non. C'est dans 2 jours que tu écris encore. Quand, ah oui, j'ai oublié. Ah oui, les enfants vont bien. Si on t'a une conférence, ah oui, ils vont bien, ils vont bien. Tu as besoin de quelque chose? Non, ça va, ça va. Je m'occupe de tout. J'ai déjà tout payé, oui. L'année prochaine, une fois que tu les as mis dans une école privée. Là-bas, on paye 7 fois plus. Ce n'est pas mon nouveau copain qui a payé, c'est moi. Les 5 enfants, là, oui. Je te courras après avant pour que tu payes la pension. Dis, mais voilà septembre qui arrive, tu n'as besoin de rien. Oh non. Après, se rendre compte que tu es parti à Paris en vacances avec l'enfant. Hein? Oui, je partais, non, je voudrais pas quand même laisser l'enfant ici. Je voulais aussi qu'elle découvre Paris, non? C'est là qu'il va comprendre que c'est encore plus sucré quand c'est toi qui réussis. Pas que c'est un gars qui est venu te donner. Ou bien que c'est une femme qui est venue te donner. Tu as d'abord ta part. Il y a beaucoup de choses qu'on vous a tellement mal parlé de vous-même que vous ne saviez pas que vous pouvez accomplir. Mais ils ne savaient pas qu'elle pouvait. Oui, elle fait. Parce qu'il y a des gens qui. Leur satisfaction, c'est de savoir que tu es en bas. Number baby boy. Baby boy, baby girl. La vision. Tu vois ce que tu dis chaque soir, tu me vois en train de travailler sur mon projet là, non? Oui, ça a donné. Ça a donné. Voilà. On a insulté même ton enfant qui était dans ton ventre, non? Elle est américaine. La meilleure revanche, c'est la réussite. Et quand tu réussis, tu ne penses même pas à eux. Genre, tu ne réussis pas pour les... Parce que quand ils vont même te voir, ils vont penser que tu as réussi. Tu ne fais que commencer. Je ne fais que commencer. I'm just starting, baby. Je ne fais que commencer. Je vais fumer des cigares cubains. Je vais conduire des Porsche Cayenne. Je vais avoir des jets privés. Tu vois comment ça fait du bien de dire ça sans que quelqu'un ne te rabaisse. Ah, mais tu sais, tu as vu une Camerounaise avec le jet. Ah, mais quand même, toi aussi. Les Noirs, quand ils arrivent de pays ici, tu vois. Mmh.
Lucas, tu peux t'asseoir. Tu parles des projets, tu n'entends pas quelqu'un derrière là-bas qui dit, tu vas avoir la voiture là-haut. Et tu dis que tu veux faire marche arrière pour encore aller là-bas. Tu dis que tu veux encore entrer là-bas dedans. Maman. Toi-même là, tu es mazo, hein. Tu cherches des problèmes. Tu es mazo. La reine Suzanne, bonjour. Écoutez, je suis la reine des reines. Comment on va vous couronner comme ça, là, que tout couronner, couronner? Je suis pas la reine des pauvres. Venez pas m'appeler comme ça, là, que vous voulez rester pauvre. Moi, vous, ce que vous m'appelez ma reine, je dis que je suis pas la reine, pardon. Oui, j'arrive. Are you done? Okay, how do you stop this? Hein? Okay. Je vous dis encore, quand vous allez commencer, vous êtes déjà en train d'avancer. C'est pour ça que vous m'écoutez. C'est pour ça que vous êtes là. Le tout, si la force dont vous aviez besoin, vous croyez que votre force venait de quelqu'un. C'est dans toi. C'est ici. C'est là. Tu ne dois rien à personne. Personne ne t'a fait. Personne ne t'a fabriqué. Donc personne ne peut te descendre. Nobody made you. You didn't make me, so you can't break me. Si tu ne m'as pas fait, tu ne peux pas me défaire, non? Voilà. Un aigle. C'est fini. Ok. Yeah, I'm still live. So you pay for 2 hours now. Yeah, and then he's gonna deal with the pictures. But we have to sit down and choose the pictures you want. No. He has to choose some pictures and he works on them again. You see? Yeah. Everything is on my phone. I will just send it to you now. Yeah, when I finish this. Vous avez déjà envoyé, non, monsieur Raoul? Ah oui. You can put it in a file on your laptop. The key. He's got a key there, yeah. Oui, la reine Séverine, je vais regarder ton voice tout à l'heure. Depuis le matin, je suis en réunion, je suis en train de travailler. Ça marche, non?
Quand tu commences à avoir confiance en ce que Dieu a mis en toi, tu ne peux plus douter. Tes business vont... Tu vas te lever le matin à 4 heures. Ce matin à 4 heures, je vous ai fait un direct où je parlais des dons. Comment est-ce que les ancêtres te parlent? Et il y a des gens que leur énergie est tellement négative que l'impact qu'ils ont sur vous, ça bloque vos dons. Donc quand ces personnes vont quitter à côté de vous, parfois tu le quittes à 16h, à 22h, les ancêtres sont en train de te parler. Et il n'y en a même pas mis vous. Depuis quelques jours, vous vous levez. L'Américain ne te dérange pas, je ne maudis pas moi les gens, je bénis seulement ma bouche, c'est pour bénir. Donc j'ai même pas le temps de ça. Donc il y en a parmi vous même que depuis quelques jours, les ancêtres vous parlent la nuit. Ils vous disent que quitte cette personne. La dame dont je vous parle ce matin, elle me dit, voilà, son amant, elle a quitté finalement, elle lui a fait un message, elle a dit, elle est partie. Et quand on parlait, jusqu'à je lui rappelais que voilà, ton amant, là, il t'avait épousé, pourquoi? Il avait ses problèmes. Oh, finalement, c'est lui qui mangeait son propre, il mangeait l'argent de la fille. Elle s'est rendue compte, on parle au téléphone, elle se rend compte de tout ça. Après, elle me dit, tu sais quoi, depuis 4 jours, quand il me revient très tôt, les ancêtres me disent. Les ancêtres me disent de le quitter. Donc, ce que tu es en train de me dire là, ça confirme seulement. Vous n'avez pas besoin d'une consultation avec moi pour savoir que vous devez quitter cette merdeuse là, cette merdeuse. Il y a des gens qui sont néfastes pour votre énergie. Donc vous devez être... Et quand tu es focus, tu es occupé, parce que tu as tes business. Tu n'as pas le temps de certaines choses. You don't have the time. Voilà. Elle vous donne les instructions. Si vous suivez, vous allez profiter. Si vous ne suivez pas. Parce que les principes que je vous enseigne marchent. Tu payes ta dîme. Tu fais tes offrandes. Tu te laves au sel. Tu fais des dons aux orphelinats. Tu te connectes aux ancêtres. Tes dons vont commencer à s'ouvrir. Tu fais ton travail spirituel. Tu vas rester comme ça. Faut qu'il quitte le boulot aussi. Tu quittes le boulot. Le soir. Le soir de la nuit de ce jour où tu as quitté le boulot là. Les ancêtres te demandent dans le rêve ce que tu dois faire. Prends l'argent ici, va là-bas investir. Achète ça, tu vends. Tu achètes en une semaine, tu fais une transaction qui te donne l'argent de 3 mois de salaire. C'est comme ça que tu évolues, tu évolues. Quelques temps après, tu te retournes les 100 millions de francs, c'est le chiffre d'affaires. Après 200, 300 millions. Si Denis, il ne faut pas un don, va sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de vidéos. Apparemment, vous venez d'arriver. Bon, je vais vous laisser. Vous passez une bonne journée. Partagez, partagez. Partagez ma vidéo. Si ça ne va pas, vous mettez le cœur doit jeûner. Vous le mettez sur la chaise, vous l'attachez. Vous ne donnez pas d'eau, ni eau, ni nourriture pendant des jours. Bye bye.